C'était une paisible nuit de l'hiver 529 en Hollande. À côté de son poêle bien chaud qui ronflait et fumait, Monsieur Descartes, gentilhomme, soldat et voyageur, se trouvait à sa table d'écriture. Tandis que toute la ville, à l'exemple de son perroquet Baruch, était depuis longtemps endormie, Monsieur Descartes, déchiffrant le grand livre du monde, étudiait la taille rationnelle des vers et les météores. Or, voici que la neige cessant de tomber, l'éclat de la lune projeta la silhouette formidable du perroquet Baruch dans la chambre. Et l'espace d'un instant, Monsieur Descartes crut surprendre dans l'ombre de son compagnon un malin génie qui manigançait des illusions. Pour Monsieur Descartes, sa chambre, la Hollande et le monde apparurent alors dans toute leur étrangeté, et peut-être comme des tromperies du malin génie. Baruch, le fidèle volatile, et le corps de Monsieur Descartes pouvaient-ils n'être que chimères? Monsieur Descartes doutait. N'ai-je point dès mon enfance reçu quantité de fausses opinions pour véritables, comme lorsque je croyais que le soleil tournait autour de la terre? N'ai-je point parfois éprouvé que mes sens étaient trompeurs? Ne me suis-je même fondé là-dessus pour inventer quelques feintes dans mon traité d'escrime? Mais puis-je raisonnablement douter que je sois réellement ici, dans ma chambre, auprès du feu? Et comment pourrais-je douter que ces mains et ce corps soient à moi? Ou serais-je comme ces insensés qui prétendent être des rois lorsqu'ils sont très pauvres, être vêtus d'or et de pourpre, lorsqu'ils sont tout nus, ou s'imaginent être des cruches ou avoir un corps de verre? Insensé! Insensé! Piaillait Baruch. Monsieur Descartes était-il en train de rêver? Pensait-il qu'il rêvait ou rêvait-il qu'il pensait rêver? Si le ciel, l'air, la terre, les couleurs, les figures, les sons, si mes mains, mes yeux, mes sens ne sont que les morceaux d'un rêve, de quoi puis-je être vraiment certain? Peut-être même le malin génie fait-il que j'ai le sentiment du temps, de l'espace et des nombres, mais qu'il n'existe pas. Peut-être que 3 plus 2 ne font pas 5, et que le malin génie me fait me tromper toutes les fois que je le calcule. Monsieur Descartes décida que pour parvenir à quelque certitude, il se méfierait de la ruse du malin génie. Il ne se laisserait plus imposer aucune évidence, comme si rien ni personne n'existait vraiment. Monsieur Descartes se souvint alors de son ami Anatole Archimède. Celui-ci affirmait que pour déplacer le globe terrestre et le transporter en un autre lieu, il suffisait d'un point fixe et assuré. De même, il faut que je découvre une chose certaine et non douteuse. Or, une chose demeurait assurée. Certes, le malin génie, sous l'apparence de Baruch, s'ingéniait à tromper sans cesse Monsieur Descartes et à remplir son esprit de chimères, mais Monsieur Descartes lui-même, victime de ses artifices, existait bien puisqu'il pensait à tout cela. Eureka ! Je pense, je suis. Voilà qui est certain. Je suis une chose qui pense. Toutefois, si Monsieur Descartes était simplement une chose qui pense, comment pouvait-il connaître le monde qui l'entourait? Ce monde n'était-il pas l'illusion créée par le malin génie? Monsieur Descartes attrapa sur son bureau un morceau de cire. Il était encore doux du miel qu'il contenait et imprégné du parfum des fleurs. Il était aussi dur, froid, et lorsqu'on le tapotait, il rendait un son mat. Monsieur Descartes l'approcha du feu de son poêle. Et voici que le morceau de cire s'échauffa. Il se mit à fondre, perdit sa forme, et Monsieur Descartes, le tapotant à nouveau, se brûla légèrement le doigt, mais n'entendit plus aucun son. C'est pourtant bien le même morceau de cire. Mais alors, la cire n'est pas dans cette douceur du miel, ni dans cette agréable odeur de fleurs, ni dans cette forme, ni dans ce son. Je juge qu'il s'agit de la même cire, mais mes sens me disent le contraire. Comment puis-je reconnaître cette cire qui me semble à présent si différente? L'éclat des voix de quelques passants attardés au sortir d'une taverne attira Monsieur Descartes à sa fenêtre. Et ces chapeaux, et ces manteaux que je vois passer dans la rue où je reconnais des hommes, pourquoi ne couvriraient-ils pas des spectres? Et si sous ces plumes Baruch n'était qu'un automate remué par des ressorts? Comment toutes ces choses qui sont hors de moi prouvent-elles autre chose que mon existence à moi, Monsieur Descartes, qui les regarde ou les imagine?
Finalement, M. Descartes ne pouvait jamais connaître que son propre esprit. Il décida donc de se mettre au lit et souffla sa chandelle. Je fermerai maintenant les yeux. Je me boucherai les oreilles. Je détournerai tous mes sens. J'effacerai toutes les images de ma pensée. Par ma méditation, je tâcherai de me rendre un peu plus connu et familier à moi-même. Toi-même ! Siffla Baruch qui voulait dormir. Monsieur Descartes, ayant bien vissé son bonnet de nuit, pénétra à l'intérieur de son propre esprit et entreprit d'y rechercher des choses certaines et très manifestes. De nombreuses idées se trouvaient en son esprit, ainsi la terre, le ciel, les astres, sa première petite amoureuse qui louchait un peu, le reste du morceau de cire et toutes les choses qu'il avait jadis rencontrées. Mais l'affaire était de s'assurer que ces idées correspondaient à des choses véritables. J'ai par exemple dans mon esprit cette idée du soleil tel que je le voyais briller hier, extrêmement petit dans le ciel. Et cette autre idée du soleil que me donne l'astronomie, selon laquelle il me paraît plusieurs fois grand comme la Terre. Et ces deux idées ne peuvent pas correspondre au même soleil. Mais bien sûr, ces idées de soleil me viennent de quelque part. Il y a au moins autant de réalité dans la cause de ces idées que dans ces idées elles-mêmes. Monsieur Descartes dormit longtemps. Il rêva qu'il était un ouvrier affairé à la construction d'une machine formidable, conçue grâce à sa propre science et à la science de son perroquet. Les petites pièces de la machine étaient autant d'idées tirées de son esprit. Considérant toutes ces idées qui jouaient les unes avec les autres, il crut entrevoir à leur source l'idée première, une idée claire et distincte qui contenait en elle toute réalité et toute perfection. Il découvrait l'idée d'une chose infinie, éternelle, toute puissante, par laquelle lui-même et tout l'univers furent créés. Monsieur Descartes éprouva, à contempler la perfection de cette idée, une joie merveilleuse, telle qu'il n'en avait jamais ressenti auparavant. Il appela cette idée « Dieu ». Comment moi, qui suis une chose finie, moi qui ne sais pas tout et qui ne peux pas tout, puis-je avoir l'idée claire et distincte d'une chose infinie ? De quelle façon cette idée de Dieu est-elle venue à mon esprit ? Car je n'ai jamais rencontré Dieu par mes sens. Et il faut pourtant que cette idée me vienne d'une chose véritablement infinie. Dieu lui-même aurait-il mis cette idée dans mon esprit lorsqu'il m'a créé, comme la marque de l'ouvrier sur son ouvrage ? S'éveillant tout à fait, M. Descartes examina cette idée de l'infini que Dieu lui-même avait mise au fond de tous les trésors de son esprit. Voyons donc, Dieu est infini, Dieu est tout-puissant, Dieu possède toutes les perfections. En somme, rien ne manque à Dieu, il ne peut donc manquer d'exister. En fait, l'existence est aussi sûrement attachée à Dieu que la vallée à la montagne, ou les trois côtés au triangle. Et puisque Dieu est parfait, il ne saurait vouloir que je me trompe. Comment les choses de ce monde me semblent-elles alors si douteuses ? Monsieur Descartes voulut faire l'expérience de se couper des choses matérielles. Il s'enfonça dans son lit, se cacha sous son oreiller, se couvrit les oreilles. Mais il lui fut impossible de ne pas sentir ses mains contre sa tête, le poids des couvertures et cette petite odeur de pain frais qui montait de l'étal d'un marchand sous sa fenêtre. Même si toutes ces choses n'étaient que le fruit de son imagination, M. Descartes ne pouvait les ignorer tout à fait. Voilà qui est fort étrange. Moi, chose qui pense, je n'arrive pas à me séparer tout à fait de ce corps que j'appelle le mien. Et il semble même que cette odeur de pain frais fasse naître en mon esprit une certaine joie. Monsieur Descartes vivait l'union de son âme et de son corps, mais ne parvenait pas à la comprendre. Comment une émotion de son estomac, si différente par sa nature de son esprit, le faisait-elle désirer manger ? Comment une affection de son corps se trouvait-elle liée à une représentation dans son âme ? Monsieur Descartes se souvint d'un soir de bataille où il avait vu des soldats qui, amputés de la jambe ou du bras, sentaient encore de la douleur dans leurs membres coupés. « Qui sait ce que peut le corps ?» demanda Baruch. Monsieur Descartes connaissait de semblables illusions. Dans son sommeil, la machine de son rêve lui avait paru aussi réelle que tout ce qui lui apparaissait maintenant. Il ne pouvait décidément pas se fier à ses sens. Mieux vaut donc considérer comme séparé d'une part cet esprit que je suis et que je puis visiter,
et d'autre part ce corps, où se passent des choses confuses. Se glissant hors du lit, il mit le pied sur Baruch, qui se promenait par là et qui répondit par un vif coup de bec. Monsieur Descartes comprit qu'il n'habitait pas son corps comme un pilote dans son navire, qu'il était uni et mêlé à ce corps. De sorte que blessé au pied, il sentait de la douleur, à la différence du capitaine qui voit quelque chose se rompre en son vaisseau. Il jugea donc utile et raisonnable de faire son possible pour chasser le nuisible de son pied. Considérant son petit orteil grignoté, Monsieur Descartes réalisa que ses sens lui disaient plus souvent le vrai que le faux. En outre, il pouvait se servir de plusieurs d'entre eux pour examiner une même chose et lier par sa mémoire les connaissances présentes ou passées. Si Baruch apparaissait et disparaissait tout soudain, comme font les images quand je dors, alors il serait un spectre ou un fantôme formé en mon cerveau, plutôt qu'un vrai perroquet. Mais maintenant je sais que je ne rêve pas. Car jamais mes songes ne s'accordent les uns aux autres, comme la suite de ma vie lorsque je suis éveillé. Baruch allait et venait paisiblement devant son maître, et Monsieur Descartes pouvait nouer cette belle matinée au reste de sa vie. Prêtant l'oreille au bruit de la rue, goûtant la tiédeur du soleil, convoquant tous ses sens, sa mémoire et son entendement, Monsieur Descartes ne trouva aucune chose qui fût mal liée aux autres, et il ne doutait plus de leur vérité.